bon, laisse. Ah, mes frères et sœurs, donc c'est pasteur Boudron devant vous. Je suis devant vous simplement. Ah, que le Seigneur il était avec nous encore. Pardonnez-moi mes frères et sœurs, parce que je sais que c'est l'année 2010, je n'ai pas envoyé des vidéos là. Ça va partir, donc le Seigneur est auprès de vous, je vous le disais. Je sais que vous êtes beaucoup en ce moment quand vous me téléphonez. Vous êtes nombreux à me demander, pasteur, comment est-ce que je peux le faire? À ce moment, comme je vous disais, mes frères et sœurs, cette année, il faut avoir là, toutes les orgueils, toutes ces choses-là, il faut l'éloigner de maintenant votre vie. Les fantasmes, les vanités, tout, comment on appelle, les dîmes. L'an dernier, comme je vous disais, c'est quoi? C'est une préparation de notre vie. 2010, là, c'est une 2010, une année de grâce, une année de bénédiction. Là, toutes mes miracles cette année, ça va arriver, mes frères et sœurs. Parce que c'est moi qui vous le dis. Je suis l'homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Donc, je suis le pasteur d'une église universelle, comme je vous répétais, mes frères et sœurs. C'est une année de grâce. C'est une année de bénédiction. Tout ce qu'on en a besoin cette année, vous pouvez trouver dans la parole de Dieu, dans la Bible. Cherchez tous les mots que vous cherchez. Les miracles, les guérir, tout ça, ça existe. Comme je vous ai dit, je crois que j'ai apprécié cette parole, mais je n'ai pas encore envoyé. Les aveugles, ils voient. Les boîtiers, ils marchent. Donc, mes frères, cette année, mon message simplement, le comportement. Comment il faut comporter cette année? L'année, une année de qu'on commence. L'année de toute cette année, il faut aller changer la façon que nous comporter cette année. L'année dernière, c'était une année de souffrance, tout ça, en cette année de 2009. L'année 2010, c'est une année de prospérité. Tout ce qu'on a besoin cette année. On prend la foi, mes frères, simplement. Mais ça, cette année, le comportement, ça signifie le comportement. Arrêtez de copier les gens. Ne suivez pas les gens qui ne vont pas dans le monde, les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ne suivez pas les gens qui ne mettent pas le pain dans l'église. Parce que les gens dans le monde, ces gens-là, ils les connaissent. Il y en a certains qui ne croient plus à la parole de Dieu, comme je vous répétais. Rejoignez la parole de Dieu. Marchez droit pour le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est un nom, comme je vous disais, c'est un nom agréable. Vivre tout ce que tu fais dans la vie, c'est un nom merveilleux. Parce que le nom de nos hommes aujourd'hui, on ne croit plus rien. Moi, je suis le premier frère, comme je vous dis. J'ai déjà rendu ce témoignage quelque part, je n'ai pas encore joué. Donc, mes frères, pour le moment, je dis que je suis presque. Parce que vous êtes beaucoup, me rejoindre par toutes les choses. Vous êtes déjà pas mal visionné mes choses. Donc, parce que vous le croyez la parole de Dieu. Vous le croyez tout le message de Jésus. Vous le croyez les disciples de Jésus. L'église de Dieu, je veux dire, c'est pas nous. Nous, on est là, on est présenté simplement la parole de Dieu. L'église de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est pas les quatre murs, comme je vous disais. L'église de Dieu, c'est vous, mes frères et sœurs. Donc, cette année, c'est un message où il faut être droit. Mon message cette année, c'est le message de droit. Les vols, l'escroquerie, l'optimité, tout ce qu'on a, il faut les bannir dans votre vie. Il faut éloigner le trafic de drogue, toutes ces choses-là. Ça ne marche pas. Tu veux être agréable à Dieu, éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne toutes ces choses-là. Parce que ces vies-là, ça ne marche pas dans le royaume de Dieu, ces choses-là. Parce que ça, c'est l'œuvre de l'homme, ça. C'est l'homme qui magouille les vols, tout ça. Et en même temps, Satan, il profite en même temps pour qu'il détruit les enfants de Dieu. Et surtout qu'il détruit plus les chrétiens. Celles qui croient en Jésus, Satan, il essaie de manipuler. Ton voisin, même, il peut être le pire que tu dis. Comment on appelle? Il y a l'œuvre de Satan. Il peut envoyer par Satan ton prochain, là. Surtout que les gens qui trafiquent de la drogue, tout ça. Ça, c'est l'œuvre des diables pour moi. C'est pas l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui n'a pas créé ces choses-là pour l'homme. C'est l'œuvre des diables, tout cela. Donc, mes frères, moi, cette année, mon message, simplement, la droiture. La droiture. Tu veux être agréable à Dieu, c'est la droiture. Fréquente les gens qui rejoignent la maison de Dieu. Fréquente les gens qui le connaissent la parole de Dieu. Fréquente les gens qui vont dans la maison du Seigneur. Fréquente les gens qui suivent toute la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, vous pouvez trouver dans la grâce des gens-là. Parce qu'ils sont agréables à Dieu. Ce n'est pas simplement que je suis pasteur, oui, nous allons faire ça. Non, mes frères, tout ça, ça destine à tout le monde. Parce que Dieu, il ne choisit pas. Dieu, il nous aime tous. Donc, mes frères, avancez-vous dans le royaume de Dieu. Parce que tu fréquentes le royaume de Dieu,
C'est une vie agréable. C'est merveilleux. C'est une vie qui n'a jamais déçu dans la vie, comme je vous répétais. J'ai déjà apprécié cette bonne parole. Donc, mes titres, mais cette année, c'est les droits tirs. Les droits tirs qui suivent le bon chemin pour l'agréable, le nom de Jésus.